Alors là, je viens d'avoir mon permis, d'ailleurs, j'ai la réponse hier soir. Ah, super. Ça, c'est cool, je suis content. Exclusivité. Tout le monde s'en fout, mais c'est exclusif. J'ai enfin mon permis. 5 ans après tout le monde, c'est top. Félicitations. Tu sais, c'est. Il y avait. Genre, à 18 ans, c'est le moment où tout le monde partage ses photos de permis sur Facebook, genre, je l'ai et tout. À 24 ans, tu fais profil bad, c'est tu ne partages pas trop. Ouais, donc du coup, là, je vais m'acheter une petite voiture, une voiture de case. Parce que j'allais dire une Lamborghini, mais. Non, c'est... j'aime pas ça, de toute façon, les voitures de footballeur. Je vais m'acheter une petite voiture de case, une Polo. J'aime bien la Polo, c'est la voiture, c'est Das Auto, tu vois. La voiture du peuple. Exactement, c'est la vraie voiture. Elle fait rien de plus, elle fait rien de moins, c'est la voiture, tu vois. Et c'est une voiture de qualité. Ah, je pensais que t'étais plus Tesla. Ou... Je suis à fond Tesla, mais comme c'est quasiment sûr à 99% que je vais la planter un moment contre un arbre ou l'accrocher sur un truc. Je préfère sauvegarder la Tesla pour l'instant. D'accord. Et puis la Tesla, tu vois, j'ai pas encore vraiment le plaisir de conduire. M'achèterai une Tesla si un jour j'aime vraiment conduire. Mais si je conduis un an et qu'au final je déteste ça, qu'est-ce que j'irai m'acheter une Tesla, tu vois, j'aurai des voitures quand j'en aurai besoin et ça marche. Mais donc, qu'est-ce que je disais du... Attends, c'était quoi déjà la question? Sur on est parti. Oui, donc l'investissement immobilier. Donc du coup, il y a un objectif là qui est passé un peu avant, ce serait d'acheter un parking peut-être pour la voiture à Paris. Ok. Au lieu d'en louer un, autant en acheter un, tu vois. Là pour le coup c'est plus abordable, c'est plus dans mes prix, donc je voudrais acheter cash et ensuite plus tard l'appartement. D'accord. 5 minutes later. Le permis de conduire, je vais donner un exemple. J'ai passé mon permis là l'autre jour, là je l'ai eu d'ailleurs, je viens de le voir. Et je sais pas, j'ai peut-être déjà dit j'ai déjà dit ça. Ou c'était à toi ou c'était en off, je sais plus. Non mais je suis content avec ça, donc ça me reste dans la tête. Le permis de conduire que tu as eu. Ouais, que j'ai eu, je rappelle que j'ai eu. Alors j'ai déjà dit, en plus c'est con. Champagne. Pour fêter ça. Ouais, c'est ça, ouais, grave. J'ai pas eu le temps de fêter ça, c'est ça qui me gêne. Non, et en fait, je suis tombé sur les vidéos YouTube d'un type, parce qu'en moment, je savais pas comment faire un créneau à gauche, tu vois. Ou même c'était avant ça, je savais pas comment bien tourner le volant, tu vois, vraiment le mongol de base, je sais pas. Parce que tu sais, il y a des techniques différentes pour tourner le volant, enfin n'importe quoi ce truc-là. Et du coup, je vais sur YouTube, je tape comment tourner un volant. Et je tombe sur la vidéo d'un type qui t'explique parfaitement les trois différentes techniques pour tourner le volant. Le gars est sympathique, tu vois, il est bon, il aime ça, tu vois. Il aime ça, quoi. Un mec qui t'apprend la conduite et qui aime ça, il y en a quand même pas beaucoup. Et ce gars-là, il a sorti une formation. Et ben, tu sais quoi, j'ai même pas regardé la page de vente, j'ai pris sa formation directe. C'est la meilleure formation que j'ai jamais suivie de ma vie. Sa formation, elle doit coûter quoi, 30, 40 euros, peut-être 50. Mais putain, elle doit faire, mais je sais pas, elle est trop longue. C'est peut-être le seul problème de cette formation, c'est que j'ai pas pu tout regarder. Elle doit faire peut-être 30 heures. Je connais beaucoup de personnes qui produisent des grosses formations. Ouais, je vais pas suivre 30 heures de formation, faut pas déconner, tu vois. Faut être vraiment passionné par ça. Bon, mais j'ai quand même regardé le truc qui m'intéressait. Et le mec s'est fait chier, tu vois, avec son pote. Ils ont fait une formation nickel, tu vois. Il te montre tout, il te présente tout. C'est ultra pédagogique. J'ai jamais suivi un contenu aussi pédagogique que ça. Ultra visuel, ultra bien fait. Et je suis sûr que ce gars-là gagne très bien sa vie avec ça parce que c'est un des seuls. Il y en a deux, je crois, sur YouTube qui font ça, à donner des conseils permis. Vous pouvez retrouver gratuitement cette conversation dans son intégralité et bien d'autres en cliquant sur le lien en description. Des conversations pleines de clés pour améliorer vos projets ou votre entreprise. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut.